Shalom, shalom, le prophète Joël Casso depuis Madrid. Ils sont venus justement me chercher avec. Je suis là justement avec mon chauffeur. Et qui est venu me chercher, je pars maintenant voir mes tuteurs pour vous rassurer que tout va bien ici. Mes enfants spirituels s'occupent très, très bien de moi. Je remercie le Seigneur pour cette expérience que j'ai vécue dans le passé, qui me permet aujourd'hui de faire la part des choses, d'avoir beaucoup de discernement, parce qu'au départ, je croyais beaucoup à tout le monde à la fois. J'ai fini par comprendre que ce n'est pas à tout le monde qu'on doit croire. Et en même temps, je dis, faites attention que vous voulez venir en Europe, faites très attention, ne tombez pas sur des fausses personnes, ayez plus foi en Dieu, et puis cherchez à avoir marché à ceux qui ont la crainte de Dieu. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux laisser à tout le monde. Et puis, je rends toute la gloire au Seigneur. Il y a eu des conférences de presse avec les gens. Oui, ce qui est ressorti de cette conférence de presse m'a beaucoup édifié. Des personnes qui étaient vraiment, qui ont pris du temps, de vérifier un peu sur le YouTube, sur mes trucs. Et en conclusion, on finit par comprendre que le prophète Casso est quelqu'un que, vraiment qu'on doit soutenir. Voilà, parce que il prépare, mais ça, le montant des gens déjà, plus de 223 personnes délivrées par la grâce de Dieu. Et en même temps, Satan ne peut pas venir délivrer Satan. Satan ne peut pas venir délivrer ceux qui les mangeaient d'âme. Satan ne peut pas venir en même temps combattre la sorcellerie. Voilà, et le discernement. Or, c'est cette gloire-là que le diable veut usurper. Non, on ne peut pas me mélanger un féticheur, on ne peut pas me mélanger un charlatan. Je suis vraiment très désolé parce qu'on n'est pas la même chose. Lever le doigt, ces mêmes féticheurs, lever le doigt s'ils attaquent la sorcellerie, est-ce qu'ils en parlent même de ça? Ils ne parlent pas de ça. Or, l'Occident, pour être développé aujourd'hui, ils ont radiqué la sorcellerie. Je suis aujourd'hui à 8223 sorciers délivrés. Je n'ai pas de sorciers, mon jeune dame. Des personnes qui ont tué 1732 personnes. Aujourd'hui, c'est ça la stratégie de Satan. Ah, il me fait peur aux gens, de peur que les gens. Mais les véritables enfants de Dieu cherchent à voir qui est le prophète Casso. Les véritables enfants de Dieu, ceux qui ont le discernement, hein, qu'ils savent. Parce qu'il faut avoir le discernement. Mais c'est vrai, parmi même les hommes de Dieu, il y a des gens qui servent Satan. Voilà, mais en fait, les œuvres déterminent ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne sont pas de Dieu. Parce que nous autres, nous combattons les œuvres de la sorcellerie, mais les véritables enfants de Dieu, ils savent. Ils savent que le prophète Casso. Mais en même temps, beaucoup de personnes appellent. C'est pour dire que je suis en train de vérifier. En fait, j'ai fait un peu beaucoup de tri, me fais beaucoup de choses. En fait, c'est pas de ma faute. Hein. C'est par rapport à ce que j'ai vécu la dernière fois quand j'étais à Paris et tout ça. Voilà, donc maintenant, je me méfie. C'est pour cela que mon numéro, il est direct. Je l'ai laissé au niveau du secrétariat. Nous vérifions tout ce... Il y a eu beaucoup de coups de fil. Beaucoup de personnes qui veulent arriver. Et des personnes arriveront la semaine prochaine ici. Merci pour ceux déjà de mardi qui ont commencé à se manifester. Demain ou lundi, j'aurai comme ça déjà fait une vidéo avec les bien-aimés de Madrid et tout ça. Voilà, donc que Dieu bénisse. J'ai beaucoup appris, beaucoup de choses. Pour devenir grand, il faut traverser des moments difficiles. Vous voyez, les grands leaders, ce sont des gens qui ont été combattus. Les grandes nations sont ceux qui ont traversé des grandes guerres et pour aider les grandes nations. Donc, quand quelqu'un, oui, comme disait un grand homme de Dieu nigérien qui vous disait que pour que j'arrive là, à cette grande église, j'ai traversé ce que tu as traversé. Pour toi, même petit, parce que moi, j'ai été emprisonné. Donc, pour dire shalom, je suis venu me chercher. Voilà, pour dire que je vis très bien ici. Voilà. Je vis très bien, très bien, très bien, très bien. Je suis bien, 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 bien traité. Voilà. Ouais, c'est la suite de la vidéo. Je suis dans le véhicule, là, en train de partir. Oui, chez mon tuteur, chez mes enfants spirituels. Hein. Oui, c'est pour dire que je suis très bien traité ici. On s'occupe très bien de moi d'ailleurs. Je suis avec mon chauffeur, le voici là. C'est fine, non? Yeah, it's good. Voilà, c'est un gabien, voilà. Il me conduit très bien. Il me fait connaître bien Madrid. Voilà, donc tout va bien. Chauffeur, véhicule, j'ai tout à ma disposition ici. Ça me permet d'avancer un peu dans mes écrits. Voilà, il y a des enfants, il y a enfants spirituels et puis enfants spirituels. Voilà, il y a des gens qui sont très, très, très reconnaissants. Par contre, il y a des gens qui sont très ingrats. Nous avons aidé beaucoup de personnes aujourd'hui.
beaucoup de personnes. Je suis connu dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes suivis par 275 pays dans le monde entier. Nous avons aussi des enfants spirituels partout, des personnalités dans le monde. Voilà, dans les personnalités dans le monde. Et nous avons aidé beaucoup de personnes, nous avons aidé beaucoup de gens. Et il y a beaucoup qui sont reconnaissants. Malheureusement, il y a des personnes, avec l'expérience qu'on a vécue au niveau de Paris, il y a des personnes qui sont très ingrates à qui nous avons apporté beaucoup d'assistance. Et c'était mourante. Nous avons aidé ces personnes délivrées, c'est ces mêmes personnes-là qui se sont mis des personnes pour attaquer le prophète que je suis et tout ça. Voilà. Mais la vie continue. La vie, ça continue. Nous risquons. Je n'ai pas de vie. Vous comprenez? Toute ma vie, je ne réfléchis que comment aider les gens. Et malheureusement, c'est ces mêmes personnes qui se retournent contre vous. Voilà, qui se retournent contre vous aujourd'hui. Comme je disais, moi je n'ai pas de vie. Hein. Je n'ai pas de vie. Je risque ma vie pour aller attaquer la sorcellerie dans les villages, tout ça. Le prophète Crasso, il est en même temps à Madrid. Mais tous ceux qui le savent très bien, moi je suis plus à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans les villages, tout ça. Mes voyages, c'est pour sensibiliser les gens à venir, n'est-ce pas, investir au niveau de l'Afrique. Voilà, donc dimanche même, ce dimanche-là, j'aurai une rencontre avec les gens pour parler un peu de ça et de ma commune de Divo, voilà, de Divo, tout ça. Pour dire, franchement, il y a des gens qui sont très ingrats à qui nous avons aidé. Franchement, si vous voyez des hommes de Dieu, soutenez-les, et ça c'est vraiment important. À l'image de mes enfants spirituels qui sont en train de très s'occuper de moi. Voilà, j'ai tout, hein. Ils font des tests que j'ai pas de soucis. Voilà, donc je bénis le nom du Seigneur pour ça. J'ai pas de soucis, quoi, voilà. Si vous. Un homme de Dieu, quand vous le revoyez quelque part, soutenez-le. Parce que votre bénédiction dépend de ça. Quand vous recevez un homme de Dieu, vous recevez Jésus. Quand vous foutez d'un homme de Dieu, ben, vous avez des retombées. Et puis d'ailleurs, un ministère, ce n'est pas quelqu'un qui appelle l'homme. C'est Dieu qui vous appelle. J'étais déjà le prophète Crasso. Comme je disais aux gens aujourd'hui, on était dans les villages, personne ne nous attaquait. On est venu, on a vécu une expérience avec malheureusement des gens bizarres de Paris. Mais malgré ça, il y a aussi parmi eux beaucoup d'enfants qui sont restés fidèles, ouais, la loyauté. Attaché encore au ministère, continue de prier. Voilà, mais la vie continue. La vie, là, ça continue. Et c'est ça qui est plus intéressant, c'est demain. Voilà, on fait du mal aux gens, parce que c'est quoi aller détruire, franchement, vouloir me nuire, pour sans raison. Sans raison, je suis resté muet, mais la vie continue. Voilà, la vie continue. Franchement, l'homme ingrat, très, très ingrat, mais la vie continue. C'est pour dire, nous avons aussi des personnes aussi, elles sont très reconnaissantes. Ça me permet de comprendre que le ministère, nous aidons les gens parce que nous avons envie d'aider les gens avec beaucoup d'amour. Parce que attaquer la sorcellerie, c'est de risquer nos vies. Mais j'ai compris. J'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des choses qui n'ont plus m'arrivé. J'ai compris beaucoup de choses. Compris, hein? Il y a des choses qui ne vont plus m'arriver. Et ça, j'ai compris beaucoup de choses. Je vous donne des conseils de savoir marcher avec des gens. Voilà. Moi aujourd'hui mes pas sont calculés. Je n'ai pas fait confiance à tout le monde. Je donnais mon service de communication quand je suis à Paris. N'importe qui pouvait recevoir mes coups de vue, gérer ma com. Maintenant c'est fini ça. Tout ça c'est fini. Je ne me confie plus à tout le monde. Je marche plus à n'importe qui maintenant. Voilà. Voilà. Les gens vont comprendre que le prophète Crasso, il a des vrais enfants spirituels ici en Europe. Ce n'est pas n'importe qui, c'est des personnalités. Je précise bien tes personnalités. Dieu nous utilise pour sauver des gens, la vie des gens. Et vous allez voir des grandes séries de miracles dans ce temps-ci parce que chaque homme de Dieu a son onction. Les gens, ils parlent de sorcellerie, mais nous avons cette onction-là de maîtriser le royaume de la sorcellerie. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Voilà, donc ce sont les conseils de quelqu'un qui a été visité par l'ingratitude, la méchanceté. Voilà, donc un homme a guéri. Je vous aime malgré tout, mais j'ai compris. Je me laisserai plus maintenant voir. Shalom, très bientôt les grands programmes. Je suis en train de vous montrer un peu Madrid, hein. Mais après ça, vous aurez les images, les vraies images de croisades, d'évangélisation. Pour là, je suis en tendance été. Voilà, c'est pour ça que vous voyez en casquette, t-shirt, parce que c'est ici comme ça. Hein. C'est fait chaud, hein. Ici, le soleil, ça bronze. C'est pas comme nos soleils là-bas. Hein. C'est grave, vous voyez. Le soleil ici, là, c'est. Shalom à vous.